Alors, l'architecte, il faut qu'il fasse envie, hein, parce que c'est les premières choses que l'on voit lorsqu'on est. Alors, ma place, hein, c'est qu'on va nous montrer des esquisses. Et il faut que ça soit intéressant, il faut que ça accroche l'œil. Hein, il faut que ça soit. C'est séduisant. Et après, c'est vrai que du papier ou de l'image à la réalisation, bon, soit ça, on peut être après déçu ou au contraire plus satisfait que en réalité. Et après, c'est un chef d'orchestre, l'architecte. C'est chaque étape du projet qui va bien veiller au bon déroulement de ce projet qui mobilise des dizaines de compagnons et chacun dans leur spécialité. Et il faut pouvoir coordonner tout ça. Et oui, je pense que l'image de chef d'orchestre est intéressante parce que je pense que l'architecte, il faut à la fois qu'un côté artistique, parce que on a quand même une fine, enfin, au départ, il y a quand même un coup de crayon et quand même une vision de ce que va être un bâtiment. Hein. Et puis après, il ne faut pas qu'être artiste, il faut bien aussi l'image d'avoir un peu la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Et puis après, on va concrétiser les envies du bailleur, des élus. Et après, qui va mener ce projet jusqu'à son terme.